Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce mercredi 30 mai 2018. Les tentatives israéliennes se poursuivent pour intensifier une campagne politique et médiatique sur la présence de l'Iran en Syrie, mais aussi pour préparer le terrain à une annexion du Golan occupé. Dans ce cadre, le ministre israélien des Affaires militaires s'est rendu à Moscou pour s'entretenir avec les autorités russes. L'objectif serait, selon les responsables israéliens, de changer fondamentalement la situation stratégique en demandant à la Russie d'éloigner l'Iran du Golan, mais aussi plaider auprès de Moscou en faveur d'un retour au statu quo antérieur dans cette zone stratégique, à savoir le plateau du Golan. Reste à savoir si les autorités russes vont répondre positivement à cette demande de Tel Aviv et au moment où les tentatives israéliennes s'intensifient également au sein du Congrès américain pour la reconnaissance de l'autorité israélienne sur le Golan occupé. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette visite du ministre israélien des Affaires militaires à Moscou et sur ses développements liés au Golan occupé, mais aussi à la présence de l'Iran en Syrie. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Alors qu'une délégation de congressistes US se trouvait en Israël pour s'informer auprès des autorités israéliennes en vue de rédiger un avant-projet de loi destiné à judaïser le Golan, Avigdor Lieberman s'est rendu mardi 29 mai à Moscou. Accompagné de conseillers pour la soi-disant sécurité nationale israélienne, Lieberman devra surtout aborder la présence iranienne et le Golan avec les autorités moscovites. Je pense que c'est un moment plein d'opportunités. Mon évaluation est que la situation dans laquelle nous nous trouvons est un moment opportun pour essayer de changer fondamentalement la situation stratégique, a déclaré le chef de renseignement du ministère israélien des Affaires militaires, Shagai Tesoriel, qui accompagne la délégation. Lieberman devrait rencontrer jeudi 31 mai à Moscou le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, qu'il a invité à Moscou. Pour de nombreux experts, le fait qu'Israël veuille plaider auprès de Poutine en faveur d'un retour au statu quo antérieur au Golan, avec en perspective la résurrection des accords de sécession des hostilités de 1974 et le retour des casques bleus, constitue déjà un aveu d'échec. Après 7 ans d'efforts de guerre, Israël se sent impuissant à contrer l'armée syrienne et son avancée. Reste à savoir si les tentatives en cours au sein du Congrès US, lesquelles visent à reconnaître l'annexion israélienne sur le Golan, laissera la Russie de réussir sa médiation et de ramener la situation à celle d'avant la guerre de 2011. Surtout qu'à Dera, l'enjeu est grand. La pacification de Dera pourrait mettre à l'armée syrienne et à ses alliés de se tourner vers Deir ez-Zor, où la plus récente confrontation US-Russie a coûté la vie à 4 conseillers militaires russes. Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Nous allons tout de suite commencer cette émission avec Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français qui est en ligne avec nous depuis Toulouse. Monsieur Dortiguier, bonjour. Bonjour, monsieur Redavandé. Bonjour à tous nos auditeurs. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation, monsieur Dortiguier. Alors, avant de passer à cette visite du ministre israélien des Affaires militaires à Moscou, il paraît que d'ores et déjà, Israël a commencé une vaste campagne au sein même du Congrès américain pour la reconnaissance de sa souveraineté sur le Golan occupé. Alors, à telle enseigne que tout récemment, une délégation du Congrès américain était en visite en Israël. Mais concernant la réaction de la Russie, M. Dortiguier, est-ce que la Russie, qui a toujours plaidé
pour le contrôle, pour la souveraineté syrienne sur le Golan occupé, va en effet répondre via cette demande d'Israël, à savoir l'annexion du Golan occupé. Il est certain que la Russie ne peut manifester, disons, envers Israël une certaine faiblesse, disons, peut lui accorder des concessions. Ceci tient à plusieurs raisons, la principale étant la raison économique, naturellement. Vous savez que la Russie est l'objet de sanctions. Et il y a aussi un lobby, si je puis dire, non pas comme aux États-Unis, mais disons une forme de lobby à l'intérieur de la Russie qui plaide en faveur du maintien de bonnes relations avec l'entité sioniste. Monsieur Lieberman, qui est lui-même, disons, qui est un homme qui connaît, qui est russophone et connaît bien, disons, l'importance, ceci dit, pour parler d'Israël, de la colonie juive russe en Israël, qui se monte, je crois, à peu près 1 million de personnes, a de quoi négocier avec la Russie. Bien sûr, ce sont des négociations, disons, à la fois ouvertes et secrètes. C'est-à-dire qu'on nous dit que M. Lieberman part avec l'idée de faire admettre à la Russie que, pour des raisons de sécurité d'Israël, il faudrait, disons, admettre tout au moins, sinon une reconnaissance de droit de la présence de l'armée israélienne au Golan. Vous savez que le Golan a été reconnu internationalement par les Nations Unies après la dernière guerre, entre les années 70, comme partie intégrante du territoire syrien, vous voyez. Mais il est certain que cet argument de la sécurité d'Israël et aussi cette offensive, disons, cet esprit, tapageur et guerrier d'Israël, multipliant ses attaques contre la Syrie, empêche tout règlement politique en Syrie même, et donne du courage à ce qu'on peut appeler ses mercenaires, c'est-à-dire aux groupes qui, massés à la frontière du Golan et en d'autres endroits, bien sûr, se sentent soutenus par les attaques aériennes d'Israël. Je crois que la Russie, disons, là se trouve devant une position de force d'Israël. Et cette position de force n'est pas simplement liée à un pays déterminé, ce qu'on appelle entité sioniste, mais également à un certain nombre d'influences économiques et autres qui pèsent dans la balance. Je crois que, comme toujours, il y aura une solution, une réponse russe qui sera, disons, en droit excellente, mais qui réaffirmera bien sûr la nécessité pour la Syrie de défendre son territoire, de lutter contre le terrorisme, mais disons, il est possible qu'il y ait un certain nombre de concessions faites par l'État russe. Merci, M. Dottiglia. Israël, en réalité, aujourd'hui, prend lui-même la direction de l'offensive contre la Syrie avec, disons, un rideau de fumée qui est l'attaque contre l'Iran. L'attaque contre l'Iran, contre la présence iranienne, contre l'influence iranienne. Ici, nous disons en France, certains milieux disent l'hégémonie iranienne. Tout ceci ne fait que masquer la volonté d'Israël de casser le gouvernement syrien, de briser l'unité syrienne. Je crois que c'est cela que la Russie elle-même doit considérer pour pouvoir répondre à Israël. Ce n'est pas l'affaire d'Iran n'est à mon avis qu'un prétexte. C'est même cela qu'agite Israël, par exemple, devant le Congrès américain, lequel est dominé entièrement par, vous savez, ce qu'on appelle l'AIPAC et autres. Le Congrès américain est entièrement dévoué à Israël, non pas par conviction, mais chacun de ses membres sait que s'il s'oppose à une demande d'Israël, sa réélection, par des moyens divers, est véritablement remise en cause. Merci, M. Dottiglia. Merci infiniment. Restez avec nous. Merci pour ces précisions. Nous sommes également en ligne avec Maître André Chamy, juriste international depuis Alsace. Maître Chamy, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être en ligne avec nous. Les autorités israéliennes se déclarent manifestement préoccupées par le renforcement de la présence iranienne en Syrie et exigent une coordination, entre guillemets, plus étroite avec
la Russie et les autorités russes pour contrer l'influence géopolitique grandissante de l'Iran dans la région, en l'occurrence en Syrie. Alors, qu'est-ce qui inquiète réellement, véritablement, l'entité israélienne, Maître Chami? Ben, en réalité, ce que les Israéliens cherchent à obtenir, c'est ce qu'ils n'ont pas pu obtenir à travers la guerre en Syrie et à travers la guerre menée à travers l'ensemble du Moyen-Orient, soit directement, soit par l'entremise des Américains à travers leurs interventions directes sur le terrain. Effectivement, vous connaissez comme moi le projet américain concernant la partition de l'ensemble du Moyen-Orient en entités ethniques et religieuses. L'Irak, la Syrie, le Yémen, le Liban en faisaient partie, et d'ailleurs même leurs intentions, c'est d'aller jusqu'en Iran. Et vous vous rappelez comme moi des déclarations de Wesley Clark, qui était l'ancien chef d'état-major américain, qui disait qu'en 2003, on l'a vu lui présenter un document pour mener une guerre contre 11 pays. Il fallait envahir 11 pays, parmi lesquels ceux qui sont visés actuellement par les événements que l'on connaît. Par conséquent, ce que les Israéliens n'ont pas pu obtenir à travers cette déstabilisation globale, ils essaient de l'avoir à travers une sorte de situation de fait accompli. C'est-à-dire, je m'impose à Jérusalem, Al-Quds, c'est-à-dire en disant, bah maintenant, la ville que j'ai annexée dans les années 80, maintenant, est devenue de facto ma capitale. Le Golan, qui a été annexé dans les années 80, il devient partie intégrante de mon territoire. Les fermes de Sheba et Kfar Chouba dans le sud du Liban, bah, je les annexe par la même occasion, puisque j'y suis rentré dedans en 79. Depuis 79, je les occupe d'une manière ou d'une autre. Par conséquent, j'y reste, et ainsi de suite. Puisque c'est le seul pays, en réalité, qui n'a ni territoire défini, ni entité bien établie. C'est quelque chose d'extensible, mais en même temps, ça lui donne toujours la possibilité d'envahir, d'attaquer et d'occuper et de s'y maintenir. Le seul endroit où ils n'ont pas pu se maintenir, c'était le Liban, puisque depuis 2000, ils ont dû quitter le territoire libanais après l'avoir envoyé en 82, et ce, comme des voleurs au milieu de la nuit, parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se maintenir. Aujourd'hui, en tout cas, depuis cette période-là jusqu'à maintenant, il y a un axe global qui s'est établi, qu'on appelle communément l'axe de la résistance, que moi j'appelle l'axe de l'espoir. Pourquoi cet axe de l'espoir constitue un véritable danger pour l'entité sioniste? C'est parce que cette union qui fait la force, mais en même temps, il y a une alliance stratégique, c'est-à-dire nous ne sommes plus dans des alliances de circonstances, aidez-moi à tel ou à tel moment. Non, c'est quelque chose qui est devenu vital pour l'ensemble de ces parties-là. On peut considérer que le Liban, l'Irak, la Syrie et l'Iran font partie intégrante d'une même entité. En tout cas, une entité stratégique, même si on peut parler que de quatre pays, mais stratégiquement, ils sont liés. C'est-à-dire, c'est par le sang, le fer et la vie commune que cette alliance s'est constituée. Puisque les Libanais, quand ils sont battus contre les Iraniens, ils ont été soutenus par les Syriens et par les Iraniens. Quand les Syriens se sont battus contre ceux qu'ils ont envahi aussi bien en bande armée que les Israéliens, ils ont trouvé à leur côté le Hezbollah du Liban et les Iraniens, et en plus les Russes. Et là, maintenant, bien entendu, dans l'ensemble de ce projet qui vise l'Iran en filigrane, bien entendu, il y aura toujours les Libanais et les Syriens aux côtés des Iraniens, mais également les Irakiens. On constitue une entité, et cette entité fait face au projet sioniste. Or, les sionistes, maintenant, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? C'est d'essayer de passer par la propagande. La propagande consiste à dire aujourd'hui que j'ai les accords maintenant de l'ensemble des partenaires sur place pour me permettre soit d'occuper des territoires qui assurent ma sécurité, soit d'éloigner ceux qui constitueraient un danger de ma frontière. Or, comme ils considèrent que l'État syrien est affaibli et ne pourra pas faire face seul à une attaque militaire contre lui, on considère que le seul soutien qui viendrait à l'appui de l'État syrien, c'est l'Iran. Et c'est comme ça, on dit, il faut éloigner les Iraniens, il faut éloigner le Hezbollah de la frontière, parce que c'est devenu une force stratégique qui peut se projeter au-delà de la frontière. Merci, Maître Chami. Merci infiniment, Maître Chami. Restez avec nous. Monsieur Dortigui, alors, tout récemment, il y a deux jours, le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, il a déclaré qu'il n'y aurait pas de moindre place pour l'Iran en Syrie.
Alors, à titre de rappel, comme vous le savez, Monsieur d'Ortiguier, alors l'Iran a envoyé des conseillers militaires en Syrie à la demande du gouvernement légitime de Damas. La question qui se pose, bien sûr, là, il s'agit d'une drôle d'opposition, de déclaration de la part du Premier ministre israélien, mais est-ce qu'il est en position, en mesure de décider, alors à la place, bien sûr, du gouvernement syrien, de l'avenir et du maintien de la présence de l'Iran en Syrie? Et en d'autres termes, est-ce que cela ne traduit pas, au contraire, le désarroi et cette mauvaise posture dans laquelle se trouve Israël aujourd'hui en ce qui, bien sûr, concerne Syrie? Oui, il y a manifestement eu un affolement d'Israël devant cette alliance et aussi l'approbation de cette alliance par le peuple syrien. De ce point de vue, quand on relit par exemple les réseaux sociaux, on s'aperçoit que les Syriens patriotes ont une confiance entière dans l'Iran. Ils savent que la Russie elle-même sans mettre en doute sa bonne foi, subit elle-même des pressions, disons, à des responsabilités de grande puissance, doit maintenir, disons, des relations particulières avec les États-Unis, qui sont derrière Israël, ou avec Israël, ou liés, ou fusionnés avec Israël. Mais la présence iranienne est souhaitée. Elle est souhaitée parce que tout ce qui renforce l'État contre le terrorisme, bien sûr, est bien accueilli, et en même temps, chacun sait que le propre de que derrière le terrorisme qui frappe la Syrie se trouve, bien sûr, un arrière-plan et en fourniture, en aide de toutes sortes, l'État d'Israël. C'est vrai que l'État d'Israël veut abattre le gouvernement, il veut, disons, abattre l'État syrien. Quand cette politique, disons, de diaboliser M. Bachar el-Assad, ou, mettons, de faire peur au monde entier en parlant, disons, d'une emprise iranienne sur la Syrie, ou d'une volonté, je le redis, d'hégémonie iranienne, ceci, bien sûr, n'est qu'une manière pour Israël de faire accepter ces bombardements, ces coups de force. C'est-à-dire qu'il est dans la situation de quelqu'un, une sorte de monstre qui attaque les gens, mais il les attaque en pleurant, si vous voulez. Il les attaque en disant qu'il est lui-même victime, menacé. Cela appartient à la psychologie propre, bien sûr, de l'entité sioniste depuis le départ de sa fondation. Là, elle n'est que fidèle à elle-même. Chaque fois qu'elle est menaçante, bien sûr, en réalité, elle se donne l'aspect d'une victime. Est-ce que ceci peut durer? Non. Vous dites bien que si les Iraniens sont présents en Syrie, c'est à la demande du gouvernement syrien, exactement au même titre que les Russes ont une présence légitime, non pas à cause des Nations Unies, par exemple, mais à cause de la volonté, de la décision de l'État syrien. Dans cette affaire-là, en effet, on ne tient pas compte de la volonté nationale de la Syrie. Si la Syrie veut défendre ses frontières, eh bien, elle peut faire appel à toutes les aides qu'elle veut. Il faut quand même savoir que le Golan n'appartient pas en droit international à Israël. Alors, bien sûr, c'est une question de défense, dira Israël, parce qu'il est menacé. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Israël n'a existé qu'en brisant les frontières naturelles, et légales. Et bien sûr, ce qu'il veut pour asseoir son autorité, c'est de prolonger cette force-là afin d'éliminer tout adversaire possible et à l'intérieur de son pays, comme il se voit encore dernièrement dans la bande de Gaza, d'intimider les Palestiniens et surtout de les empêcher, bien sûr, ça c'est vraiment pour lui, c'est sacré, de reprendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire les biens spoliés en 1948. Parce qu'on en revient toujours à cette affaire-là. Merci, Israël est un coup de force. Israël est le résultat d'une brutalité et bien sûr ne peut se maintenir qu'en l'exerçant de façon continue. Merci infiniment. Restez avec nous, M. d'Ortiguier. Maître Chami, vous êtes toujours avec nous. Merci. Ces derniers temps, certains médias régionaux et occidentaux plutôt ont laissé entendre qu'il y avait une d'étroite coordination
plutôt connivence entre la Russie d'une part et le tandem américano-israélien de l'autre pour pousser l'Iran à se retirer de la Syrie. En d'autres termes, que les autorités russes avaient demandé à l'Iran de retirer ses forces de l'Iran. Et bien sûr, la réponse de Damas n'a pas tardé à venir. Le vice-ministre syrien des Affaires étrangères a souligné que cette présence ne faisait en effet l'objet d'aucune discussion. Ceci étant dit, alors, que pensez-vous de la réaction justement de la Russie et de ces prétendues connivences pour le retrait de la présence des forces militaires, en effet de la présence iranienne en général, de la Syrie? Est-ce que là, il y a des coordinations, des arrangements, des connivences, Maître Chami? Il me semble que les Russes ont été clairs, ils ont nié tout accord sur ce point-là avec ce qu'ils appellent, eux, les partenaires, c'est-à-dire les Américains, etc. Mais il faut quand même prendre cette information-là au milieu d'autres propagandes, puisque en même temps, les Israéliens ont fait même circuler une information, je ne sais pas si vous l'avez eue chez vous, qui est apparue dans des médias occidentaux, comme quoi il y a eu même des rencontres directes ou indirectes entre les Iraniens et les Israéliens en Jordanie, et que les Jordaniens auraient fait les intermédiaires dans le cadre de ces pourparlers entre l'Israélien et les Iraniens. Tout ça, c'est faux et ça fait partie d'une propagande généralisée pour préparer le terrain à une éventuelle sortie de crise, on va dire. Mais les Israéliens savent que, compte tenu de l'alliance stratégique, il n'y a aucune possibilité pour détacher, si j'ose dire, le corps iranien du corps syrien. Comme il est impossible de détacher le corps iranien du corps libanais à travers le Hezbollah. On ne peut plus aujourd'hui, c'est pour ça que dans mon premier propos, je parlais d'une alliance stratégique, je dirais même une alliance vitale. L'un ne vivrait pas sans l'autre. C'est comme si l'un était le bras et l'autre était le cœur et le troisième était le cerveau. On ne peut plus les détacher. Par conséquent, toutes ces tentatives, toute cette propagande n'aura aucun effet parce qu'il faut passer par un seul moyen, c'est de briser cette alliance. Or, cette alliance est impossible à briser parce que chacun trouve son intérêt, pour ne pas dire la continuité de son existence, à travers les autres. Oui, oui, et c'est la raison pour laquelle je le doute totalement de la possibilité, parce que même si d'aventure les Russes seraient tentés par une telle réflexion, je parle de réflexion, hein, ils savent, parce qu'ils sont intelligents, ils savent que cela est strictement impossible. C'est la raison pour laquelle ils ont immédiatement nié cette information-là, parce qu'ils savent qu'ils recevront une fin de non-recevoir, malgré toute l'aide qu'ils ont apportée au cours de la guerre en Syrie. Maître André Chami, sociologue et avocat depuis Alsace. Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse. Je vous remercie infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Merci, M. Merci, Maître Chami. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.